Nouveaux locaux pour le lycée général et professionnel du Val-Mauré à Bar-sur-Seine. Ils ont été inaugurés par le président du conseil régional, Jean-Paul Bachy, ce matin. Depuis 2006, en fait, plus de 11,5 millions d'euros ont été déboursés. D'abord pour la construction d'un internat d'une capacité de 200 lits, puis pour la restructuration de l'externat de l'administration et des logements de fonction. Écoutez un proviseur ravi pour ses 366 élèves. Marc Lévite au micro de Cyril Tavernet. Là, on inaugure la rénovation de l'établissement, un projet qui remonte à 2001 et que j'ai repris en charge depuis 4 ans. Donc, toute la partie d'enseignement professionnel, d'enseignement général a été rénovée. Et puis, les structures d'accueil, vie scolaire, foyer et surtout une zone importante pour les étudiants également, puisque cet établissement accueille à peu près 400 élèves, dont 50 étudiants en BTS. Il ne faut pas oublier que cet établissement de 400 élèves a 300 internes, donc il faut bien les occuper toute la semaine. Et il y avait une toute petite salle qui leur était consacrée. Là, on a pris tout un espace, je vais dire la longueur totale d'un bâtiment, et ils le gèrent en totalité. Je pense que là, une cafétéria, de nouveaux matériels qui ont été donnés par l'intermédiaire du foyer, bien entendu, mais aussi l'association des étudiants.